C'est la même personne en fait. Écoutez, je ne sais pas si je suis également Peter Avalon, mais je sais que nous allons jouer un perso qui n'est pas Tainted Lost, donc c'est bon. Tout va bien. C'est Forgo là? Ok, Forgo. Donc. J'ai même fait quand il swap avec le pharaon dans Yu-Gi-Oh! Putain! J-Pep. Est-ce que c'est moi le Dark Peter? En plus, je me suis rasé pour avoir que la moustache, donc c'est vraiment genre parfait quoi. Oh, y'a un dé! On casse le jeu? Mais qu'on casse? Le cassage? Ok. Bon, il faut qu'on ait 15 balles, donc ce sera à l'étage d'après, hein, je vous préviens. Pas avant l'étage d'après qu'on casse. Mec a tapé son pote là, non? Non. Trop loin un peu lui, là. Vu qu'il explose, c'est pas mon pote. Ah, est-ce que j'aurais genre 15 balles et j'aurais peut-être genre 20 balles en tout dans l'étage, donc je pense que c'est pas rentable d'essayer de casser direct ici. Je vais y aller l'étage d'après. Sauf s'il y a une... Sauf s'il y a tout de suite une batterie. Peut-être dans ce cas-là. Si la batterie est déjà là, ça peut peut-être se négocier. Ah oui, non mais voilà, mais j'ai même pas 15 balles pour le... Pour le l'acheter tout de suite. Donc non, c'est pas intéressant. Ouais, ouais, ok. Donc on va attendre l'étage d'après. Du coup, on peut tout de suite aller par contre voir l'item room, je pense. Et on aura après assez pour les 15 balles. Ah bah, le suplex. Cosplay, cosplay Peter. Ouais, un catcheur pro, moi. Je suis catcheur pro ou... Hop là! Comme par hasard! Bim! Ah, je suis sûr que c'est un des meilleurs catcheurs du monde en plus. Hein. On peut choper l'ennemi mort pour quand même casser les trucs. C'est beau ça. Hein. Bon, par contre, on a dit qu'on cassait le jeu, donc on prend notre dé. En avant. J'aurais pu mettre un reroll aussi, c'est vrai. J'aurais pu déjà mettre un reroll par contre. On s'en fout. Ouais, c'est Love Maggie, non? Ça fait des cœurs quand on tue les ennemis, je crois. À chaque fois, je les confonds, les Soul Off. Par contre, là, j'ai pas de batterie. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de batterie. Ciseaux, c'est fort aussi. Pas de batterie pour l'instant. Ah mais ça fait des cœurs qui disparaissent. C'est dommage. Je peux pas farmer mon petit pote du coup.
Par contre, je peux jouer agressif grâce à ça. Et parce que le soin est fou gratuit. Bon, du coup, on va utiliser le dé sur l'ange. Oh, c'est le plan de jeu. Pas de bombe. Et D1 pour faire des pièces. On peut se faire. Voilà. Du coup, j'ai pas mon dé pour l'ange là. Je reste intouchable. Oh là là. Ça va en faire des HP ça. Hein. Pas la peine d'essayer de les buter en mode fantôme ceux-là. Hein. Envie de crever. Hein. En mode... non, je veux dire. Et les bombes, non merci. Hein. Cadeau. Cadeau les HP. Kong. Curse of the Blind. Vous savez que j'adore faire de la merde. Et prendre les trucs en blind. Comme un idiot bête. Et une batterie. Et ben voilà, on est bon. Maintenant, on va faire juste un peu d'effort pour pas ramasser les pièces. Vu qu'on tape, quand on tape, on ramasse les pièces. Ça peut être un peu chiant. Genre là, là. Bien parti dans tous les sens avec les bombes, bravo. Il perd le jeu. Quel bordel. On pourrait presque déjà commencer là, non? Mais je pense qu'il vaut mieux faire spawn les boss. Relou quand même là. Oui, tabassez-vous. Bordel.
Je perds tout là, juste pour avoir un max de pièces. Alors qu'en vrai, je pourrais en ramasser 2-3, ce serait pas grave. Vraiment pour le beau jeu, hein. Mais je crois bien avoir ramassé 0, donc ça a fonctionné pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'il faut mieux spawn tout au cas où t'appuies sur les boutons sans faire gaffe. Un peu long comme combat quand même, hein. J'ai ramassé une pièce. Pas de honte, j'ai ramassé une pièce là. Parfait, c'est un combat compliqué, hein. Bonne galère là. Hein. Cotisé pour la moitié de notre trek ce combat. Gameplay de qualité. Merde, il a quand même ramassé la pièce aussi ce con. Oh, stairway ? Ok. J'aime l'idée. Il y a des vins. C'est bon, de toute façon c'est des vins, batterie, let's go. Hein. Oh la grosse batterie là. Queen of Hearts. La dingue. Juste insane en fait la Queen of Hearts là. Hein. Mon trinket on peut l'oublier, on s'en fout un peu. Ah, le problème de la clé batterie, c'est que je peux pas la prendre là. Comment il y a un milliard de clés batterie? Ah, je peux pas la prendre et optimiser ma batterie là, ça marchera pas. Sauf si je crois que en mode frame perfect tu peux reroll et prendre le truc, mais bon j'ai merdé. Ok. Alors le filigriffiseur on va le garder. Dernière partie. Il me faut des bombes. Déjà une clé dorée aussi, c'est bien. Le cœur bleu, on peut les prendre, hein. C'est pas trop un problème. C'est le nombre de batteries que ça a spawn là. J'ai raté. Les pièces de 5, on les veut. Il y a des lock-up là. Lock-up, on veut. Alright. La pièce là, on la bouffe. Enfin, là, on veut en profiter. Enfin, on peut ouvrir, c'est pas un problème. Ça, on a déjà pas mal de thunes là. Queen of Hearts again. Hop. Là, je veux. La flemme.
of Clubs, on peut la garder pour plus tard. Un bordel, hein. Ok, et eh ben on est full PEV. Et on va, par contre, on s'achète des trucs à l'aveugle là dans cet étage. Donc c'est le fun, mais attention quand même. Hein. Oui, des lock-up, vous avez le droit de dire. Hein. Ok, j'en ai pas vu là. Parce que là, on va se prendre les trucs. 7 balles là, voilà. Quand même peut-être un petit peu moyen. Le petit bats. Dégage. Comme dans le film Don't Look Up. Ah. Ça, c'est fort aussi. J'achète un petit truc au passage de temps en temps. Le plaisir. Une fois qu'il y a une momski, en vrai, ça ferait du bien. Hein. Broken remote doré. Il y a un lock-up là. Hop, je l'ai vu. Ah, le plaisir, hein. Toujours le plaisir de casser le jeu dans Isaac. Après, il y aura un moment où on n'aura plus besoin de rien. J'ai vu encore. Ah oui, la lock-up là, bien vu. Hop. Et il roll. Comme on peut plus optimiser les batteries comme avant, ça sert à rien d'essayer d'ouvrir les coffres dans le bon ordre ou quoi là. Holy. Okay. Golden pill là. Golden pill. Ah mais les Queen of Hearts là elles régalent depuis tout à l'heure. Hein. Ah maintenant j'ai les bombes infinies et plus les clés infinies. Est-ce que ça m'arrange, je sais pas. Pas convaincu. Il y avait une grosse batterie, c'était mieux que de prendre trois petites. Bon, tant pis. Pour se TP en bug room sans le stuff. Non, mais ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais, ça. En fait, j'aimerais bien une pilule gulp. Pour avoir des trinkets. Ah. On a vu la secret. Et whatever. Il y entre. Ace of Diamonds. On peut tout Ace of Diamonds en mode... ça clean un peu.
Pas marbles, bah voilà, on va pouvoir gulp nos trucs. Alors là, on peut mettre l'Ice of Diamonds, en gros. Ça clean un peu tout. On voit un peu mieux ce qui se passe. Et on peut choper des belles pièces. Normalement, il n'y a pas de mal à faire ça. Ok. Bah, les coffres, vu qu'on sait pas ce qu'on prend, on peut prendre pour l'instant, mais... Mais ça, c'est bien, non, comme trinket. Il faut vraiment que je gulpe des trucs, là. I gulp. Please. Allez, c'est chiant. Bon. On va laisser le trinket de Guppy pour l'instant. Prendre ça, et voilà, et voilà. Et en plus, on a le broken padlock si on veut ouvrir les trucs. Il va falloir que je ramasse un peu des clés par contre maintenant. Mais à mon avis, ça reste rentable. Kira là ? Dommage. Ça t'es beau. Ça aurait été si beau. Two of Spades. Comment je fais pour optimiser ça ? Je prends toutes les clés de cette salle, je la double. Et je mets la batterie. Ça, ça me fait quand même déjà pas mal de clés d'avance. Ok. J'achète par-ci par-là des petits trucs. Putain, c'est que des HP up nuls, hein. Yera. I need the Yera, là. C'est Luffy. Ok, Golden Key, c'est bon. En vrai que la Golden Key, c'est fini, hein. Maintenant, j'ai plus grand chose à faire à part bourrer. On a vu un lock-up, non? Il y a un lock-up là. Oh, mais regardez, j'ai eu tous les HP up sur ce shop là. What the fuck? Que c'est que ce bordel? Ok. J'aime l'idée de l'argent. J'aime l'idée d'avoir une plus petite hitbox aussi. Alors, je vais sortir parce qu'on voit rien là. Dégagez avec votre trinket. Encore un fucking HP, j'en peux regarder. À l'aide. Hein? Je crois qu'on va être dans la phase où on peut courir partout dans la salle, non? On a de la perce-ro aussi. Je crois que c'est le moment où on peut courir partout et reroll, là, non? Les gaz. Isaac. Le problème, c'est qu'en étant blind, on s'en fout de tout ça. Non, j'ai plus le blind. Génie. Eugénie.
Attends, du coup, je vais mettre ma perso là et je vais prendre la Soul of Isaac avec moi. C'est le bordel un peu, hein. C'est le bordel. Oh yes. Oh le plaisir là. Putain, en plus il y a un objet en salle, c'est vraiment genre parfait pour casser le jeu. Est-ce que Gilded Key ça donne des meilleurs coffres ou pas? Pas sûr de ça. Allez, on est en phase où on ouvre tout et on réfléchit plus. Merde, j'ai pas le bon trinket. Grand. Grand. Dégage avec ton truc là. C'est bon, là on est en phase, je réfléchis plus. Ouvre tout. Il y a encore des Soul of Isaac. C'est trop. C'est trop. Change le contenu pour avoir des cartes et des trinkets dedans. Ouais. Le vol, ça peut être sympa. Au 7. Fairs up. Merde, la blanque rune, si c'était une black rune. Oh, je m'en fous, je m'en fous, j'ai YOLO. Merde, ça a fait une EWAS. Ok. Ça sent pas bon, ça. La golden pill. Ok. Bon, attention, il y a un trou. On l'a vu le trou. C'est avec l'HP up, JPP. Momski. Ok. Ok, le trou il est là. La grosse batterie. Soul of Lilith. Il y a un Isaac Sars là. Ça ambiance pas. Voilà. Il y a un autre D20 si on veut. Oui, le jeu est pété là, c'est bon. C'est fini là, il n'y a plus besoin de trop réfléchir. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à acheter les items en solde. Et on bourre de temps en temps dans la salle d'à côté là. Putain, j'ai eu un milliard d'HP up avec ce truc. Hein. Par contre, le jeu est pété, mais il faut quand même qu'on fasse gaffe à la... au trou qui est au milieu là. C'est le seul truc. Il y a quand même un trou au milieu, faut qu'on fasse gaffe à ça. Hop. Il y a une sortie, ouais. J'ai gulp des trucs depuis tout à l'heure, je crois pas, hein. De bourrer comme un con là.
toilettes. À l'aide. Dégage avec tes pilules, toi. Lampi magique. Hop. 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 Allez, le stuff, là. Et pourquoi le champi m'a rien donné? J'avais déjà de, autant de dégâts que ça. J'attends la Yera avec impatience. Hein. La cacarte. Elle a pas très bien marché, la cacarte. Un guppy là. Quel enfer. Quel enfer. C'est bien d'acheter des activables, je pense. Tout cela, on va les reroll derrière. Juste le bordel, hein. Juste l'enfer là sur terre. Hop. 99 balles, ça va trop vite. V, t'es mort sur Tainted Lost, ça va leur casser. Après, mais avec un perso dangereux comme Tainted Lost, c'est que tu prends des bombes, des machins comme ça, tu peux te faire troll. Hein. Tu peux te retrouver avec de la merde, donc faut quand même un peu faire gaffe. Là, je bourre parce que c'est un peu gratos, mais en vrai, ouais, faut faire attention. Alors là, il y a un Ludovico au milieu, j'ai pas trop envie de le prendre. On va caler un dash shard. Genre là, il y a un petit soy milk là. Ça va pas être un plaisir, je pense. La mouche pétée. On s'arrête quand? C'est ça la question en fait. Où est-ce qu'on s'arrête? Section. La question elle est là en fait, c'est quand est-ce qu'on décide de s'arrêter. Il y a Libra Soy Milk. Il n'y a plus Libra. Ah, il n'y a plus le Libra. Je vais essayer de prendre le petit pote, mais j'ai pas envie qu'il crève. Merde, j'ai l'aimant. Non mais l'aimant ça pue du cul. Ok, c'est bon. Je peux pas l'aimant. Pour voir. Les gros fétus. Après, on n'a pas encore eu l'échelle de l'étage d'après. Avec l'Angel Rule qu'il y aura dedans. On va peut-être acheter des dingueries. On a un revive aussi pour pas crever direct. Ah, des os. Des os poteaux. Ah, j'ai pas de batterie là. Hein. Genre, j'ai pas eu de batterie avec tous mes trucs là. Non, mais j'en veux pas de ton aimant de mort. Change de trinket. Un mauvais trinket pour moi là. Pas utiliser le bon truc, je suis perdu.
Je suis full perdu. Bon, je crois qu'on s'arrête. Je crois qu'on va s'arrêter. Et Baradus. Donc, comment on fait pour s'arrêter? Bah là, en plus, j'ai le magnéto, le vrai. Donc, le plan... c'est... Alors, il faut qu'on arrange un petit peu ça, donc. Tigri Phaser, on garde. Les deux cartes, là, je m'en fous. Rendez-moi mon Dice Shard. Pourquoi il me bloque? Mais mon perso, il est... qu'est-ce qui se passe? Plus bouger. Non, parce que j'ai switché. C'est bon. J'étais bloqué sur l'autre con là. Alors, attendez, je veux juste récupérer mon Dice Shard là. Dégagez. Ah, mais il switch alors que je lui demande pas de switcher, JPP ça. Le Trinket, il veut rester en boucle aussi, hein. Ok. Bon. Dice Shard, comme ça on a des nouveaux objets. On utilise tout, comme ça on est libéré. Voilà. Est-ce qu'il y a des items qu'on veut là? Le PHD par exemple. On va prendre les passifs. On va prendre tous les passifs. Solo Isaac. Ok. Oh, Deep Pocket. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Ok, ensuite, qu'est-ce que je veux faire, moi? Ensuite, on a dit... il faut du pognon pour l'étage d'après. Donc là, on ramasse tout. Tout bon. 17 de luck, tranquille. Y'a pas de soucis. Je fais avec, hein. 20 de luck, presque. Ok. Pour le soy milk. Est-ce qu'on reroll un peu là? Coup de D6. On peut prendre ça. Ok. Bon, ensuite, je voulais quoi? Filigree Feather, je crois. In Soul of Isaac. C'est bon, j'ai réussi à avoir les trinkets que je voulais. Tout va bien. J'ai tout. Là, j'ai tout. Maintenant, on peut aller dans Stairway. De toute façon, je peux tout acheter là, y a pas de souci. J'achète ça. J'aurais peut-être dû mettre Soul of Isaac, mais bon. Ah, t'es mort. Donne un objet, toi. Reroll. L'étoile, parce qu'on n'est pas assez fort. Ok. Bien. Bon, je pense que ce fight, là, ça va pas être un problème. Ça va le bitrate chez vous? Ça va le bitrate? Je suis pas dans l'étoile, là, en plus, hein. Là, je me mets dans l'étoile, là. Le chat, je sais pas combien je suis de chat. Il veut un pacte, je pense. J'ai une perce row. Hein? La salle est bien vidée quand même, hein. Ah non, il est mort le pote. On aurait presque pu en faire quelque chose.
Ce couteau, j'avoue qu'il me suit. C'est le couteau de la Transformum, ça. Hein. On rappelle quand même. Hein. Le couteau de la Transformum, ça. Hein. Tenter la perce trop dans la blanque rune, là. Ça paye pas. J'achète quand même tout parce que ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui rend le couteau aussi énorme? Bon, je pense que c'est le fait que j'ai un milliard de trucs dans ma run. Là. Simplement. Hein. J'ai peut-être les One Makes You aussi. Comment on fait là? Est-ce qu'on essaie de casser encore un peu? Le problème c'est que j'ai Magneto donc je peux plus trop casser maintenant. Les pièces sont attirées là. Je les contente quand même. Genre là, il reste plus rien dans la salle. Regardez, il reste trois trucs. C'est un peu dégueulasse. Pourtant, j'essaie de me coller au bord et tout. Non, mais ça ramasse tout seul. Il y avait des trucs au milieu, là. Ah, on est guppy. Il y avait plus de trucs au milieu de tout à l'heure, là. Je me suis fait arnaquer, là. Non, on finit. Bon, d'accord, on finit. Là, là, on peut reroll. Hop. Mec, faut pas s'arrêter. Non, c'est bon, vous avez de la chance, il n'y a pas de batterie. Ah, vous avez pas de chance, il y a quelques batteries. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a un item en vrai. Ah c'est bon, c'est fini. Ah non. Hop. Pas jamais. C'est la drogue ça. Ah par contre je peux peut-être pas payer des trucs là dans le Angel Room, attention. Hein. Bon, c'était rigolo. Et j'aurais réussi à tout acheter. Des énormes bébés points là, j'avoue. Un petit D4 à la fin, histoire de bien mourir. En fait, j'ai tellement de range, je crois que je ramasse les trucs sans faire gaffe. Je crois que c'est pour ça que y a rien qui reste dans l'étage. D4. On les objets alors avant. Et que j'ai l'hypercoagulation, du coup je suis safe là. J'ai 23 de luck.
toujours plus. Du coup, on achète le dé, on a dit. On essaie de s'acheter un dernier truc. Alors, on va être triste. On a du soy milk, je crois. Avec 42 dégâts. Donc ça va, c'est pas trop un problème. J'ai récupéré plein de pognon aussi. J'ai une background. Il y avait un brimstone, je crois. Genesis de 30 minutes, j'avoue. Il est scientifique là. On prend quoi? On prend quoi? Vous voulez prendre Genesis? Erki? Ah, ça peut être Erki, hein. C'est très bien Erki, hein. Genesis? Genesis, c'est fun parce que le Genesis, on va pouvoir avoir un milliard de choix. Genesis, j'aurais plein de dinners. Non, Genesis, ça reset normalement. Remets-toi à zéro. Du homing. J'ai pas déjà du homing là? On le voit pas parce qu'il y a pas d'ennemis, mais je crois que j'ai déjà du homing, non? Pas sûr. Hein. On fait l'expérience de Genesis. On reprend ses sections. Qu'on en finisse. Il y a une Erki qui est là. Et il a Genesis. Hop, il y a là. Alors. On peut s'acheter un petit item, je crois, encore. Peut-être qu'on peut. Voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Vous voyez, ça me remet des trucs que j'avais déjà vus, là. On peut prendre ça, parce que contre le combat du boss, ça peut être très fort. Ensuite, des dégâts. Des dégâts. De toute façon, c'est les stats en prio, hein. Le PG, c'est les cœurs bleus. On peut prendre et essayer d'avoir conjoined. L'échelle, je pense que c'est pas. On aura. Qu'est-ce qu'on aura comme pognon? Attendez. Parce que ça dépend pas mal de ça en fait. L'échelle, ça peut être bien si j'arrive à choper du pognon pour l'étage d'après. Là, j'ai 20 balles. On peut prendre l'échelle. Le champi. Conjoined, c'est bon. Up. Bon, au pire, Monier Call Power. Ouais. Du sucre d'art. Vous comptez? Comptez, hein. Ah, les bombes. Les bombes, il y a moyen de faire des belles choses avec. Avec 5. De bébou là,
Encore des bébous. C'est mieux ça, je pense, non? Ouais, ça donne du T-Rate. Ah bah, encore du T-Rate. Du max T-Rate. On peut prendre le Dance Blessing pour la run d'après, c'est fun. Un Trinket, on sait jamais, on peut avoir des trucs cool. Bof. Bon, je vais lâcher Shadow parce que c'est le moins pire, là. Max T-Rate, hein, donc là, ça sert à rien d'aller chercher du T-Rate. Ok. Et Molacria, oui. Ok. Du coup, je peux pas reprendre du T-Rate maintenant? Si, je peux en reprendre un petit peu. J'aurais dû prendre les bombes qui split. On aura tellement de bombes. Ça marche ça? Il y a un monde où on peut choper ça là. Scatterbomb, ça aurait été rigolo. Oh non! Déçu. D4, je peux pas là. Charge. Bon, on est quand même très fort, c'est bon, on va tuer le boss, mais. Mais du coup, on n'a pas vu le nombre d'objets. Ah, je pensais pas que ça allait bugger. Ça pas forcément logique, non? Je veux dire, la trappe, elle était à côté, hein. Attendez, j'ai Molacria. Oui, voilà. Je suis mieux en mode fantôme, en fait. Attendez. Je vais juste utiliser mon activable une fois. Ah, ça fait pas tant que ça. Les bombes. Ah, mais par contre, je peux jouer activable only. Et ça peut se recharger automatiquement. Oui, c'est rigolo, ça, par contre. GG, GG, bon, pas trop un problème. Ok. La streak avance, du coup. C'est beau. C'est beau des conneries pareilles. Hein.